Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue au gala de l'excellence et de l'engagement qui se déroule cette année sous le thème C'est réussir. Saluer la réussite de quelqu'un, se réjouir de la réussite de quelqu'un et surtout
tout particulièrement toi, 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 qui est mis en nomination, dis-moi bien, c'est réussi! Dans un numéro des plus enlevants, accueillez le groupe Smash, composé d'Alexandre Bélanger, Lisa Anne Bélanger-Caillouette, Frédéric Bérubé, Éloi Dionne, Anne-Sophie Grenier, Kevin Marc Jonf-Lévesque et Antoine Marquis. Les étoiles entraient, formaient une flèche dans le ciel de San Bruno. À San Bruno, à San Bruno, à San Bruno.
humoristique mettant en vedette les enseignantes Chloé Gaumont. Bonsoir. Sophie Brodeur et Maryse Ouellette dans un numéro librement inspiré du cœur à ses raisons. Bonsoir. Je suis votre animatrice, Rita! Bienvenue au jeu Nommez un chiffre entre 1 et 10. Le jeu quotidien qui oppose des joueurs qui doivent, croyez-le ou non, nommer un chiffre entre 1 et 10. D'abord, faisons connaissance. Je suis Caitlin. Je ne suis pas médecin. Le chou-fleur me répugne. Je suis folle de la pocatière. Je suis Marie Jolie, mannequin des cheveux. Mes hobbies sont la beauté, la sensualité. Et me tromper de numéro de téléphone. D'abord, les règles du jeu. Pour gagner, vous devez nommer un chiffre entre 1 10. Excusez-moi, Rita. Je n'ai pas très bien compris les règles du jeu. Vous pourriez les répéter plus lentement. Et nous allons prendre des notes, Marie. Pas jolie. Et moi, pas médecin. Bien sûr. Nommez un chiffre entre 1 et 10. Et si je nomme un chiffre qui dépasse un peu le 10, comme 322 567, est-ce une bonne réponse? Excellente question. Je demande au juge. Non, c'est une mauvaise réponse. Car le chiffre doit être entre 1 et 10. Je pourrais dire 322. Est-ce que 322 se situe entre 1 et 10? Je ne sais pas. Je suis belle. 322 n'est pas un chiffre entre 1 et 10. Ah, j'ai toujours cru que c'était 2, 3, 4, 5, 322, 6, 7, 8, etc. Est-ce qu'etc. est un chiffre? Je demande au juge. Si j'ai bien compris les règles du jeu, je devrais nommer un chiffre et ce chiffre devra se situer entre le 1 et le... Etc. Entre le 1 et le etc. Je suis belle. Non, le 10. Entre 1 et 10. Nous commençons. Portez bien attention à mes directives. Nommez chiffre entre 1 et 10. Belle que vous avez droit à la calculatrice. Alors, je ferai confiance au public! Le public dit Abraham Lincoln! Abraham Lincoln n'est pas un chiffre entre 1 et 10. Droit de réplique. Marie-Julie, Marie-Julie, dites un chiffre entre 1 et 10. Je me sens soudainement éveillée par une lourde mélancolie qui me fait douter de ma place, dans le monde. Vraiment? Vraiment? Mais non, je suis belle. Mais encore? Je dirais le 5, mais ce serait indécent. Droit de réplique. Le public dit Abraham Lincoln à l'envers! Non, non, je voudrais dire un 7, mais non, 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 non. Pas des Chinois! Mauvaise réponse. Marie-Jolie? Oh,
Je pince trop, je vais saigner du nez. Mais allons-y pour le 5. Bravo! 5-5! J'ai dit 5-5. Pourquoi ne pas cesser ce quiz? Oui! Passons à un autre quiz! Ça vous tente, un autre quiz? Oui, ça me tente. Ça vous tente ou ça vous teinte? Teinte? Ça me teinte, l'idée est teintante, je suis teintée. Pour bien vous comprendre, elle vous fait faire des clochettes, elle vous fait teinter, cette idée. Oui, elle me teinte, je suis teintée. Excusez-moi, ça vous tente ou ça vous teinte? Ça me teinte, bon. Donc, nous vous inscrivons à un autre quiz. Oui, et je ferai appel à mes dents. Excusez-moi, mais quand vous parlez de vos dents, vous parlez de vos dents ou de vos dents? De mes dents, voyons, j'utilise mes dents. Et les dents que vous utilisez, c'est pour jouer l'harpe ou pour croquer une pomme? Petite coquine! Vous savez très bien que je ne parle pas de mes dents, mais de mes dents. Comme vous tous, j'ai des dents. C'en est trop. Je démissionne. Sans... Ben là, on s'en va, Notre prochain artiste a été le coup de cœur du public lors du concours Cégep en spectacle. Cette jeune fille originaire de l'Acadie nous présente avec émotion et talent la pièce Évangeline. Accueillons Pamela Thériault, étudiante en technique de santé animale. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien ce soir. Good! dans le fond, je viens de Saint-Nolin, au Nouveau-Brunswick. Je suis acadienne. J'ai décidé de vous chanter aujourd'hui « Évangeline », qui est une chanson qui représente ce que les Acadiens ont vécu lors de la déportation. C'est une chanson qui est proche de mon cœur, que c'est ma petite partie de chez moi que j'apporte au Québec. C'est quand même 5h30 de route, fait que je suis un petit peu fière d'apporter ça avec vous autres. Puis c'est une partie de moi que je vous donne ce soir. J'espère que vous allez apprécier. Étoile était dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Au son du violon, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle, Évangeline. Évangeline. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangeline, Évangeline. Alors pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton âme à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangeline, Évangeline.
soulager, de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as pris au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi, un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain, alors tu compris que tes épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage évangéline. Évangéline, devant toi était étendu sur un grand bain inconnu un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras et sur sa bouche tu déposas un baiser lent comme un tapis. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire un merci. Évangélie, des gens qui vivent dans ton pays, qui de ton nom se souviennent. Car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix, de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour qui espère. Évangéline, Évangéline. Merci. Depuis un an, le Jive se danse avec bonheur au cégep de la Pocatière et la communauté de danseurs ne cesse de s'agrandir. D'ailleurs, leur professeur vous invite à joindre le groupe puisque c'est ouvert à tous. Ce type de danse qui se veut une variante du swing, ayant adopté le dynamisme de la musique rockabilly des années 50, apparaîtra ce soir sous vos yeux dans un numéro préparé par l'enseignant Renaud Blais et ses danseurs, Charlie Alvarez, Héloïse Beaulieu-Arsenault, Mégane Bérubé, Lucie Chantelot, Simon Côté-Bouchard, Evelyne Hébert, Pamela Jean, Sarah Labbé, Ève Lévesque, Geneviève Paquette. Accueillons-les sur la pièce musicale She's the Most, Rocket Shoes. Ouais! Rock and roll.
soirée de reconnaissance en compagnie de Jimmy Rouleau et l'Association des musiciens qui nous interprètent à la saveur de cette soirée, soulignant la réussite « J'irai au bout de mes rêves ». Accueillons-les chaleureusement.